partie la plus difficile l'appropriation de l'ensemble du décor, ça a été les intérieurs, qui étaient peu pratiques, petits, qui n'étaient pas tout à fait de la condition bourgeoise que j'avais souhaité pour le personnage. Raison pour laquelle j'ai beaucoup tourné en extérieur. J'ai sorti toutes les scènes d'intérieur le plus possible. Et j'en suis très heureux, puisque j'aime beaucoup... dans le scénario, la veillée autour du corps mort de la mère, la veillée de prière avait lieu en intérieur. J'aime beaucoup ce qu'elle est devenue en extérieur, avec la prière du prédicant, Seigneur, Seigneur de tous les seigneurs, etc. La visite de la princesse, pareil, devait avoir lieu au tout départ dans le scénario. La princesse rentrait dans la maison, mais la maison était pensée pour être plus grande que ça. Pareil, je suis très content. Et du coup, j'en ai fait une scène de bain en extérieur et tout ce que c'est devenu. Cet homme nu qui se rhabille, mouillé, avec des gardes, avec une jeune princesse, avec un soleil écrasant, avec les poules et le son des poules qui se promènent pendant cette scène, avec la pâleur de la princesse, le contraste entre la couleur de la peau de cet homme buriné par ses campagnes de guerre et la pâleur de cette jeune fille interprétée par Roxane Durand. Et encore une fois, tout ça est venu de ce qu'était au départ pour moi la seule vraie difficulté de ce lieu, qui était la difficulté de, enfin, qui était les intérieurs. Il y a aussi ce que le lieu propose et qu'on n'avait pas vu, c'est-à-dire par exemple, une chose qu'on n'a pas réellement pensé, en tout cas qu'on n'a pas tout à fait prévu tel que c'est arrivé, qui est une chose fondamentale, qui est le vent, qui parfois est venu, je dirais, donner un caractère à une scène, la scène de la mort, de la veillée de prière autour du corps de Judith. Et à un moment, le personnage de Colas qui porte sa petite fille et entre dans le cadre, et en même temps qu'il entre dans le cadre avec sa tristesse et probablement déjà sa colère, on a une espèce de montée de vent qui soulève le tissu de la robe de la morte. Et si j'avais eu l'intérieur que j'avais désiré, j'aurais tourné cette scène en intérieur et je n'aurais pas eu cette espèce de... C'est comme de la musique, c'est une espèce de bouffée, c'est comme si j'avais commandé aux éléments d'exprimer l'intériorité du personnage et ça vient. C'est un miracle, ça arrive pendant une prise, c'est formidable. Voilà, et j'ai monté cette prise parce qu'elle emportait tout, quoi. La Bible dit de pardonner à nos ennemis. J'ai pris Dieu de ne jamais me pardonner, comme nous allons pardonner au jeune Seigneur. Il est beaucoup plus doux, le paysage, là maintenant, en juin, qu'il ne l'était quand on a commencé à tourner, puisque quand on est arrivé, c'était la fin de l'été, il avait brûlé. Il avait brûlé, il était cramé. C'était jaune, c'était pailleux, c'était poussiéreux. Il n'y avait pas du tout cette herbe-là. Bon, de toute façon, on avait les chevaux très très vite, ils ont tout piétiné et tout mangé, les chevaux, donc c'était complètement décimé. Ouais, c'était... On était beaucoup plus dans un truc de western. J'avais repéré sur photographie comment les Cévennes pouvaient s'adoucir, s'attendrir dans le printemps, ouais. Et c'était pas ça que je voulais. C'était pas du tout ça que je voulais. En principe, en cinéma, en général, c'est interdit de filmer en lumière zénithale. Ouais. Quand on a accepté de faire cette chose-là, c'est ce qui nous a donné, parmi les ambiances qu'on préfère, c'est-à-dire un soleil de plomb avec quasiment les yeux dans l'ombre. Enfin, ouais, les yeux dans... Ouais. Et on a ça pour la scène de la baignoire et de la princesse, où les peaux sont quasiment écrasées de soleil. On a ça pour la mort, la scène de l'enterrement de Judith. Ouais. On a ça pour un certain nombre de scènes, le départ de la petite île. Toutes les scènes d'extérieur qui ont eu lieu au Boisset étaient sous un soleil écrasant de zénithal. Et en principe, c'est un peu une sacro-sainte règle du cinéma de tourner, d'arrêter de tourner à 11h et de reprendre à partir de 15-16h. Mmh. Mais l'heure zénithale, elle est en principe détestée par les opérateurs. Et là, j'avais une opératrice qui a senti que ça pouvait devenir cette chose qu'on trouve dans certains westerns des années 70, où tout d'un coup, tout le monde est dans du plomb en fusion, ouais, quoi, comme on a chez Sergio Leone ou chez les... Et c'est un des caractères du film. Tous ces gens que tu entraînes dans la guerre, ils savent ce qui les attend.
C'est pour maman que tu fais la guerre? Non. Pour les chevaux? Non. La seule durée qui était envisageable par la production, c'était 10 semaines. Et progressivement, plus on s'est rapproché du tournage, plus ce temps, pour réussir à faire le film, on m'a dit, le film, on arrivera à le faire financièrement si on réussit à le faire en 8 semaines. Vous imaginez la compression. Il y a des choses qu'on abandonne, il y a des choses qu'on se dit qu'on va faire dans l'urgence. Et parmi les choses qu'on m'a suggéré d'abandonner, il y avait cette histoire de la naissance d'un poulain. Et j'ai dit non, ça me semble très important. Parce que ça me semblait être, je dirais, d'abord il y avait ce rapport que j'aime maintenir documentaire, et c'était le seul vrai moment où on voyait Colas dans son travail quotidien avant qu'il devienne un guerrier, avant qu'il parte, et donc j'y tenais beaucoup, et très tôt. Frédéric Sanabra, dresseur de chevaux, responsable des cascades, régleur cascade, il a dit très tôt qu'il avait une jument dont il pensait qu'elle pouvait mettre bas dans le temps, dans la période qu'on avait imaginée pour le tournage. Donc très très tôt, il l'a fait venir tant qu'elle était encore transportable. C'est le premier cheval qui est arrivé ici, et très très tôt, je crois que le premier décor qu'on a pratiqué, qu'on a aménagé, c'est cette écurie, de façon à pouvoir l'installer sur un peu de sable et un peu de paille, et qu'elle se sente chez elle. Donc il y avait le propriétaire de cette jument qui la veillait jour et nuit, et qui était, nous on était sur, on a dormi quelques temps avec notre téléphone portable près de l'oreiller, prêt à être réveillé en pleine nuit, parce qu'il y avait une urgence et que la mise bas allait avoir lieu. Donc on a placé une caméra large, fixe, de façon à ce que tout puisse avoir lieu sans qu'on ait à chercher particulièrement le gros plan, ou à changer la grammaire du film, sous prétexte que c'était un événement particulier. Et ça a été une espèce de one-shot pour Mads Mikkelsen, qui n'avait ni assisté à la naissance d'un poulain, ni jamais aidé une jument à mettre bas. On lui a expliqué à l'avance comment ça se passerait, ce qu'il aurait à faire. Il y avait quelqu'un qui était caché derrière un mur et qui lui, de temps en temps, qui lui disait « Vas-y, tu peux prendre les pattes, tu peux l'aider, tu peux... » Et il a fait la chose pour la première fois, et il a joué le rôle d'un homme pour qui c'était quelque chose de relativement banal et quotidien. C'était un événement pour toute l'équipe. Hein. C'était un peu, d'ailleurs, ce poulain a été baptisé Colas par son propriétaire. Alors, la tombe était... Je ne sais pas s'il en reste quelque chose. On peut aller voir. Non, mais ils ont tout rangé. Peut-être même que quelqu'un est venu chercher une trace de quelque chose. Je pense que les tombes étaient là. L'idée de placement de cette tombe-là, elle était de lui donner ça aux êtres chers qu'on enterre, et pour des gens de cette foi-là, de cette croyance-là et de cette époque-là. Il y a une espèce de notion comme ça d'infini et de on est quand même dans le ciel, hein, beaucoup très fort, et en même temps proche du domicile. Dans ce que je recherchais, j'avais construit le travail sur un système de plan-séquence, où à chaque fois que, en fait, il jouait cette scène, le temps qu'il la joue, ça durait quasiment une dizaine de minutes. Donc c'était un plan, à chaque fois, c'était un plan d'une dizaine de minutes, filmé légèrement différemment, où il cherchait des choses, où il improvisait. Ça ne cessait de devenir intense, et j'ai été, comme souvent, enfin, à dire, bon, si ça s'améliore, ça peut être encore meilleur, donc allons-y. C'était quand même très intense à chaque fois. Il s'agissait d'un homme qui était fou de chagrin, et qui était terrorisé, paniqué, en se demandant qu'est-ce qu'il pouvait faire pour arrêter cette agonie.
Et au bout d'un moment, ça devient... Enfin, il était lui-même étourdi par ce qu'il faisait. C'était aussi très épuisant pour l'agonisante, jouée par Delphine Chouillot, qui a passé sa journée à se convulser et à s'étouffer dans son propre sang. Donc ça a été une scène, très intense et très forte. C'est pas mon genre, hein. Ça m'arrive pas souvent. Je me souviens avoir une ou deux fois étouffé un sanglot, c'est-à-dire que je me suis entendu dans le casque, tellement j'étais bouleversé par ce qu'il faisait, pris par ce qu'il faisait. Et par le... C'est-à-dire que j'étais au cinéma, quoi. C'est pas du tout une chose qui m'est coutumière. J'étais dans un rapport d'empathie extrême avec ce qu'il était en train de faire. J'ai carrément parasité le plan avec un son d'une espèce de sanglot bizarre qui m'est sorti comme ça. Et deux fois, ça m'est arrivé. L'ingénieur du son, on a chacun un casque sur les oreilles. Il s'est retourné, il m'a regardé genre, mais ça va pas la tête. On a commencé le film en tournant les deux semaines au Boisset. Et on est rentré de plein pied avec la première scène. Et je crois que dès le deuxième jour, il faisait l'amour, quoi. Et genre, le cinquième jour, elle mourait, c'est-à-dire... Et le huitième jour, le poulain naissait. Et on est rentré dans une matière extrêmement forte, extrêmement dense, extrêmement... Enfin, humainement et émotionnellement, extrêmement forte, très, très tôt.